Souffrez. Vous jouez à quoi là? Bah le club des licornes, on est prête. Mais pas toutes des licornes, mais on est prête. Et qui a eu l'idée de ça? C'est moi. C'est une bonne idée, non? Ouais, mais vous avez l'air ridicule là. Bah pas moi, je suis pas en pyjama. Et, bah t'aurais dû en mettre, hein, ça aurait été mieux. Licorne! Toujours prête à cuire! Charlotte, arrête avec ça à cuire. Bah c'est un peu comme un cheval. Licorne! Toujours prête! Voilà ta soeur. Tu m'expliques ce que vous faites là? On prépare un devoir. En pyjama. Oh, bah forcément t'es là, toi. Sauf que là, nous, pour de vrai, on est vraiment en train de faire un devoir. On aimerait avoir le silence. Ouais, pas de problème. Donc, Lucie, t'arrêtes de faire du bruit, hein. Merci. Tu déranges ma sœur. Pardon. En même temps, j'étais pas toute seule. Donc, je vous entends plus, hein. On y va? On ne nous entend plus pour qu'elle se prenne celle-là. Ça aurait été mieux que tu lui dises quand elle était là. Bah, enfin, j'ai pas eu le temps, enfin, j'allais le faire. Et l'autre, c'est qui? Ma cousine, elle est nulle. Bon, en tout cas, pas de bruit. Par contre, t'as pris ma place. Oui, bah, tu l'as pas achetée. Mais c'est ma place! Mais c'est pas la peine de crier! Mais je crie pas, mais elle m'a pris ma place! Ouais, ça va, je te la rends ta place! Bah, rends-la, là, t'es en train de rester assise! Non, mais là, tu te fiches de moi! Non, mais en fait, c'était pas moi, c'était Wena. J'ai reconnu ta voix. Ah. On t'a gagné, toi tu rentres. En pyjama? Tu te débrouilles, mais tu rentres. Bon, le club de pyjama là. Licorne. Je m'en fous, tout le monde dort. Bah, ça, on va pas sortir comme ça. Fin... Tu veux en parler à ma soeur? Bah, je sais pas, tout à l'heure tu disais sur elle que. Que rien. Tu disais quoi sur moi? Qu'on s'entend bien. Donc, si tu m'entends bien, toi et tes copines dehors. Vous avez entendu? Dehors. Et toi aussi, hein. Sauf que je suis un peu chez moi. Dehors. Je vais te dire à maman. Ah non, par contre, ça c'est nul. Et toi, elle crasse, t'as même pas de pyjama. Il était sale. Ah non, oh. Par contre, on doit finir le devoir. Ouais, je sais. On fera plus, promis. C'est ta dernière chance, hein, t'as compris? Oui. T'es pas obligée de me parler comme ça devant tout le monde. Pardon. Rien. Mais Sarah, quelle autorité! J'ai adoré quand tu les as envoyées balader. Hein. Vous avez vu comment je les gérais, la frangine, là? Bah, t'as rien géré du tout. Qui est encore là? Qui est sorti? Par contre, je m'excuse pour le pyjama. Bah, tu l'oublies pas deux fois, quoi. Bon, c'est bon, on commence le club? Bah, non, en fait, il manque tellement et tout ça. De toute façon, il en manquera toujours, alors. Oui, bah, comment tu veux qu'on fasse un club s'il y a que la moitié? Mais tais-toi! Non, mais c'est bon, ça soit fait ses devoirs avec le grand tige, là. C'est la grande tige, t'entends? La grande tige? Je suis pas sûre là par contre. Je suis morte. T'as appelé qui grande tige là? Pas moi j'espère. Non, je disais ça à Romane. Mais elle est minuscule. Oui, c'est énorme là par contre. Colline, par contre, il faut que je te parle. Mm-hmm. On a des copains qui vont arriver. Ce serait bien que bah Alice et toi vous retourniez dans ta chambre. En clair, t'es en train de nous dire là que c'est vos petits copains qui vont arriver. T'as un petit copain, c'est mignon ça? Bah c'est mignon, c'est une vie d'ado quoi. Et comment il s'appelle le petit copain? Non, par contre ça je dis pas. Tu me dois bien ça. Non, je dis pas. Salut les greluches! Oups. Les greluches. C'est charmant. C'est des copains. C'est prévu qu'elle soit leur rentrée. Bah non. La rentrée? Non, mais on passait juste dire bonjour, on va repartir. Ouais, on va repartir. Non. Venez ici. Vas-y, je t'appelle. Tous les deux. C'est lequel le tien? Bah il est pas vraiment là en fait. Tu veux pas nous le dire? Non, c'est aucun des deux. Si, il y en a un des deux à Clémence. Donc il y en a un des deux qui est à Sarah. Bah ça, tu peux leur dire. Hein. Non. Bah ça, c'est pas une honte. Hein. Enfin... Bah un peu. Attends.
Nicolas, c'est Lubin. Oh, il est trop chou en plus. Je suis pas chou. Bah si, tu ressembles un peu à un chou quand même. Donc le garçon en jaune, c'est pour ma cousine, c'est ça? Et oui, il s'aime. Ma cousine a un copain, je trouve que j'ai tombé dans les pommes là. Bah en même temps, c'est pas le premier. Hein. Quoi? Ça devient intéressant. Bah si tu comptes... Non, on va pas compter, non. Vaut mieux pas. Hein. Clémence, c'est quoi cette vie là? Bah je suis sentimentale. Un peu trop, non? Comment ça, il y en a eu plein? Ah mince, on l'avait oublié. On bref, nous on a du boulot, donc on fait d'autres petits amours tranquillement et puis bah nous on y va. D'accord? Ah bah vous êtes là? Oui. Et celui-là, c'est à qui? Alors ça dépend. Ça dépend de quoi? Lui, il aimerait bien ta Margot. Mais Thelma, elle le prête à personne. Il a peut-être son mot à dire, Enzo, non? Ah, enfin quelqu'un qui me comprend. Mais vas-y, Enzo, exprime-toi. Bah moi, celle que j'aime, elle est déjà prise. Oui, donc on va vraiment y aller là, par contre. Donc elle est ici. Ma sœur, non, avec son caractère. Hello. Et Clémence, bon bah, elle aime toute la terre, elle. Lulu, ça pourrait être drôle. Sauf que c'est pas Lulu. Charlotte, non. Romane. Pourquoi moi non? J'irai pas avec lui non. Et pourquoi j'irai pas avec lui? Enzo? Oula. Bah au début c'était elle mais après j'ai changé. On change pas de fiancé comme ça Enzo. De fiancé? Ouais enfin de meuf si tu préfères. Non, après j'ai choisi Roman. Non. Bon en même temps vous me fatiguez un peu avec vos histoires là. Ouais, je peux faire nos exercices de maths, on y va? Ouais. Non mais là c'est mieux.